Oh, ça rigole pas. Ah, c'est énorme. Bon, aujourd'hui, vidéo particulière puisque je vais te présenter une trottinette électrique haut de gamme avec système de freinage hydraulique et ABS, enfin bref, une vraie tuerie. Et bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une trottinette électrique, comme je te l'ai dit, haut de gamme. Il s'agit de la Eagle One, proposée donc par la nouvelle marque qui se nomme Varla. Et pour les connaisseurs, en fait, elle va concurrencer directement la Zero 10X, tout simplement. Que ce soit un petit peu aussi au niveau de son look, je dois l'avouer, elle y ressemble aussi un petit peu fortement. Mais aussi au niveau des caractéristiques, où c'est très intéressant. Bon, alors le problème, c'est qu'elle est relativement un peu lourde, hein. Tu la sens bien. Au niveau du paquet, elle faisait ça faisait 30 kg. Donc après, tu peux la plier et tout, bien entendu. Mais c'est quand même un petit poids, voilà, faut se le dire. Mais c'est vrai que niveau esthétique et surtout au niveau des matières qui ont été engagées ici, bah, ça a l'air vraiment d'être vraiment une bonne trottinette. En tout cas, avec de la bonne matière. Donc ça, ça fait plaisir. Des petites choses auxquelles ils ont pensé et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt aussi des bons points. Bon, et bien c'est parti pour les caractéristiques de la Eagle One proposée donc par la marque Varla. Alors, on a plusieurs modes de vitesse, on va en avoir trois, mais honnêtement, quand tu t'achètes ce genre de produit, eh bien c'est pour rester en mode 3, donc en mode full. Et tu vas avoir aussi deux boutons à gauche, un bouton qui va tout simplement te laisser avec un moteur, ou alors tu peux engager les deux moteurs. Parce que oui, en fait, tu as aussi deux moteurs, un moteur à l'avant et un moteur à la roue arrière. Donc en fait, ça te propulse hyper bien. Bien entendu, forcément, si tu enclenches et que tu actives les deux moteurs avec le bouton, bah déjà tu vas aller plus vite, donc ce qui est logique, mais tu vas aussi consommer beaucoup plus. Donc c'est vrai que la batterie, on niveau de l'autonomie, on verra ça juste après, bah ça va forcément baisser. Alors on va retrouver des pneus de 10 pouces, alors c'est relativement correct, mais attention quand on va être sur des chantiers, sur des terrains et qu'on va rouler assez vite, bah de ne pas se manger un trou, parce que bah ça reste quand même des petites roues, tout simplement 10 pouces, et que si tu te prends un gros trou, bah tu vas pas pouvoir faire grand chose, comme si tu avais une crosse ou une moto par exemple. Concernant les moteurs, on va retrouver donc un moteur de 1000 watts à l'avant et un moteur de 1000 watts à l'arrière, avec aussi la possibilité de grimper, et on verra ça aussi bien entendu, jusqu'à 30 degrés au niveau des pentes. Donc globalement, tu n'auras aucun souci, que ce soit aussi au niveau avec la puissance de ce véhicule, peu importe ton poids, je crois que ça peut supporter jusqu'à 130 kg. Alors en mode éco, on aura donc une autonomie de 60 km, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, dès que tu vas mettre les deux moteurs, franchement, je dirais plus 40 km environ. Donc forcément, entre ce qu'ils disent et la réalité, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il faut tester, bien entendu, ça va dépendre aussi de si tu vas prendre des pentes ou pas, de ta manière de conduire, si tu es agressif ou pas, de ton poids. Concernant le poids, en fait, tu as un poids maximal de 150 kg et non 130 kg. Donc c'est quand même une bonne chose. Alors, pour la recharger, par contre, c'est 8 à 9 heures, c'est énorme. Moi, franchement, je l'ai mise à recharger l'autre jour, j'ai fait « Ah ouais, en effet, il faut bien laisser du temps, donc 8 à 9 heures. » Ça peut être dans un point, je dirais, négatif. Après, vu qu'il y a deux moteurs et tout, bah forcément, au niveau de la batterie, il faut bien la charger. Un écran LCD avec aussi une gâchette pour accélérer. La gâchette fonctionne très bien, elle est, je dirais, très répondante. Donc ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, l'écran LCD, je suis un petit peu déçu, bah, parce que quelque part, dès qu'il y a un peu de soleil comme là actuellement, eh bien en fait tu vois quasiment plus ton écran. Donc dès que tu as une certaine vitesse et tout, et que tu commences à bien rouler, tu es un peu concentré forcément sur la route et tu as envie de regarder pour ta vitesse ou ce genre d'informations, bah difficile à voir parce que s'il y a trop de lumière au niveau de l'écran, ça fait des petits reflets et tout. Donc ça, c'est dommage. Il est possible de la plier, bien entendu. Alors il n'est pas possible par contre de la verrouiller, j'ai l'impression, et de pouvoir la porter facilement à la main, mais tu peux la plier, la ranger dans un coffre. Vitesse maximale, alors eux ils disent 40 mph, qui équivaut à un peu moins, je crois, de 60 km/h. Pour le moment, en tout cas, c'est 55-57 km/h. Avec mon poids, je suis assez léger, donc je suis un peu plus de 60 kg. Système de frein hydraulique avec aussi ABS. On va avoir aussi des lumières, que ce soit à l'avant et à l'arrière du produit, qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Quand on va freiner, peu importe ce qui se passe, à l'arrière, ça va se mettre à clignoter, bah, pour avertir la personne de derrière que tu es en train de freiner. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. On va avoir un très grand plateau avec aussi une protection au niveau de l'appareil IP54. Bon allez, c'est parti, on va tester la Eagle One. Bon, donc ici, je voulais aussi te montrer forcément la nervosité du produit, la rapidité. C'est-à-dire que là, globalement, on a une belle ligne droite.
et je vais tout simplement accélérer en partant de zéro. Alors voilà, c'est pour ça que je te conseille vraiment déjà de te protéger, ce que je fais pas ici, ce qui est vraiment pas bien. Après là on va juste faire la ligne droite, quelques tours et tout, mais en soi c'est quand même assez important, et au moins de t'équiper de lunettes ou dans l'idéal d'un casque, parce que forcément quand tu vas voir des insectes et tout et que tu te les prends dans la tête, c'est pas très sympa. Donc c'est même conseillé honnêtement d'avoir un casque. Alors donc c'est parti. Donc comme on va voir, hop, je mets un pied, et puis en fait je vais tout simplement partir parce qu'elle part tout de suite, pas besoin de faire quelques petits coups de pied là pour avoir 2-3 km/h. Là-dessus, on est plutôt tranquille. Bon, allez, let's go. À tout de suite. C'est parti. Donc, comme on voit, voilà, on attaque bien. Là, on est à 21, 25, 35, 37, 40. On continue, 46, 48, et on est à 50. Voilà. Donc là, c'était très sympa. On a 50 km/h. En l'espace de, je sais pas moi, de quelques secondes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec la nervosité du produit. Attention, on réaccélère. Prennent bien, hein. Prennent super bien. Franchement, tu sais combien je suis monté? 54. Marche super bien, franchement t'as pas de soucis. Pour freiner, franchement t'es serein. C'est quand même quelque chose d'assez important. Mais tu vois, là, je suis parti. Est-ce que tu vois un peu à la vitesse, non? Ou t'as du mal à... J'ai du mal. Ouais, de ce côté-là. Mais ouais, non, tu pars, il n'y a pas de problème. Bon, et bien, pour te montrer tout ça, de manière, on va dire, un petit peu plus proche, on a forcément ici la poignée qu'on va pouvoir, comme on peut le voir ici, tourner dans l'angle que l'on souhaite. Donc ça, c'est assez sympa. Ça va dépendre aussi de ta taille, de comment tu aimes conduire. On va avoir forcément le frein ici. Petit frein aussi très sympa. Et puis, je dirais... qui répond bien, voilà, donc ça c'est cool. On va avoir, alors ça fait bizarre, mais comme sur toutes les grosses trottinettes quasiment, ça va être ici, donc forcément la vitesse. Donc il suffit, bon bah là je suis en mode 3, donc elle envoie, donc c'est une petite gâchette tout simplement. Donc on garde des doigts au niveau du frein, et puis on accélère tout simplement avec ce doigt là. Donc voilà, on va voir donc l'écran. Alors malheureusement, c'est ce que je t'ai dit, là tu vois pas grand chose. Alors moi je vois un petit peu plus, mais voilà, c'est léger. Je trouve que le rétroéclairage est pas terrible sur ce genre d'écran. Pourtant aujourd'hui tu vois, c'est nuageux, et malheureusement on ne voit pas. Donc ça c'est vraiment dommage, surtout sur une trottinette haut de gamme. Donc globalement là dessus on va avoir trois modes, donc trois vitesses. Donc là je me mets en mode 1, et donc là forcément il va conduire beaucoup moins vite, moins agressif, donc un peu en mode éco si tu veux. On va avoir le mode 2 et puis le mode 3, où le mode 3 et bien tu lâches tout. On verra après quelque chose d'autre qu'il va falloir enclencher pour être à fond. Donc bien entendu ici nous aurons donc un jeu de clés. Alors on en a deux bien entendu, donc là juste à la mettre là, hop, à tourner. Si je ne dis pas de bêtises, je suis pas un grand connaisseur, mais là ça, logiquement ça doit être la tension. Donc voilà, donc là on a le guidon que j'ai en fait, tout simplement j'ai enlevé ce petit tambour noir et que j'ai reposé ici pour reclipser le guidon, parce que quand j'ai reçu en fait le guidon était détaché de la trottinette, mais c'était vraiment pas compliqué. Ici on va avoir donc la petite sonnette, voilà, une sorte de petite gâchette aussi. Et puis en dessous on va avoir deux boutons, et c'est là où c'est intéressant, c'est à dire que soit je me mets en mode éco, donc en fait en gros j'enclenche un seul moteur, ou j'enclenche les deux moteurs, donc ici avec le single dual. Et donc là à ce moment là j'enclenche, imaginons, les deux moteurs, et là je me mets en mode 3, et là je suis full. Alors comme je te l'ai dit, il va falloir donc appuyer longtemps sur ces deux touches là et modifier de mémoire le P8 pour aller à 100% en fait, pour en gros tout simplement la débrider, parce que de base elle est bridée à 25 km/h. Alors je suis désolé hein, mais ça à 25 km/h ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt, surtout mettre ce prix là, 25 km/h, ça n'a aucun intérêt. Après je sais très bien que c'est ce qui est réglementé et tout, donc sur une voie publique, donc ça logiquement il va falloir forcément respecter ça, mais sur un chantier privé et tout comme ici, bah là à ce moment là là tu peux t'éclater et imaginons débrider l'appareil, ou tout simplement le laisser en mode éco, parce que je crois que de base en mode éco et en mode 1 je crois tu restes, ou en mode 2 tu restes à 25 km/h. Avec le moteur à l'avant, et puis les belles suspensions aussi qu'on a à l'arrière, avec le moteur à l'arrière. La béquille, je trouve un petit peu mince. Voilà, après ça reste mon avis, mais bon, ça a l'air de... À mon avis, ça va tenir. Donc voilà, on a aussi les petites lampes là que je vais te montrer aussi après, quand il fera un peu plus sombre. Vraiment, elle marche super bien. Donc non, vraiment,
Elle a une bonne gueule, en plus les gens te regardent. Donc elle a une bonne petite allure et quand t'es dessus aussi, bah oh, c'est un bon petit jouet quoi. Bon, regarde ça aussi. Est-ce que t'as vu l'angle que tu peux avoir avec la trottinette? Franchement, c'est propre. Très très propre. Bon, j'irai pas plus, parce qu'après c'est un peu plus compliqué. Mais t'as un bon angle. C'est quand même un bon point. Faut mettre aussi en avant avec le véhicule. Regarde-moi ça, ça impressionne. Hop. Ouais, non, pas mal. Alors d'ailleurs, je sais pas si tu vas bien l'entendre, mais j'ai mis un casque. Donc peut-être que tu m'entendras un petit peu moins. Mais au moins, ça me permettra déjà d'avoir une meilleure prise de vue, que ce soit ici ou que ce soit aussi au niveau de la route. Et aussi, bah, on va dire en termes de sécurité, c'est un petit peu mieux forcément d'avoir un casque parce que ça dépote un peu et ça avance. Donc là, on va aller un petit peu en ville. Et on va se balader un peu, on va se faire plaisir, on va aller aussi se prendre des bonnes petites routes. Donc tu vois là je vais pas vite, hein, je suis à 30 km/h, mais déjà moi je suis bien. Donc on va chauffer un peu. Tu vois je suis à 40 là. Voilà, ça freine super bien. C'est vrai que c'est des sensations quand même, tu vois, que je peux pas forcément t'expliquer si jamais t'as pas conduit une trottinette qui va assez vite. Franchement, c'est des sensations que t'as de vitesse, ça part tout de suite, quoi. Tu vois, comparé à la moto ou à d'autres trucs, là, tu sens que t'appuies à peine, boum. Regarde. Voilà. 50, hein. On va se prendre quelques dodanes. Oh là 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 là, ça part. On va essayer de monter sur le trottoir là. Oh. Ouais, c'est un kiff, hein. Tu vois la petite chose qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont pensé aussi à mettre ça là. Ce petit embout là en plus. Comme ça tu peux poser ton pied à l'arrière. Parce que c'est vrai que tu pars tellement vite des fois que tu recules un peu, tu vois là, hop. Et au moins tu restes bien. Là. Et ouais. On va se taper des petits champs là, ça va être sympa. Et c'est parti. Regarde, là j'accélère à fond, fond, fond. 4, 13, 23, 27, 31, 36, 40, 45, 48, 50. Je continue, 55, 56. Ouais, 56, tu vois, 57, en ligne droite. Regarde ça, mon gars. J'ai l'impression de prendre le TGV, TGV trottinette. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'autres chemins. Chemin, on va dire, un peu plus en mode tout terrain. Je suis gentil parce que franchement... Non, là, franchement, ça va, c'est facile. Mais déjà, voir un peu si c'est agréable ou pas. Puis, on va faire aussi des tests. Je connais des endroits avec des très grosses pentes. Donc, on va se taper ça aussi bah, pour voir déjà aussi s'il arrive à gérer les pentes. Au niveau de la batterie, là, on a fait à peu près 2 km. Je suis à 100%, enfin, en tout cas, au niveau de l'indicateur. Donc, bon, pour l'instant, ça va. Bon, allez, c'est parti. On va se prendre donc le petit terrain avec pas mal de petits cailloux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer doucement. Et puis au fur et à mesure que je m'adapte et puis surtout si je me sens en sécurité avec le produit, naturellement je vais aller de plus en plus vite. Donc là déjà je sens que ça va, ça bouge pas trop. On a combien? On a 21. Voilà, par contre faut faire gaffe aux gros trous parce qu'on a des petits trous. C'est peut-être ça aussi le problème des trottinettes, c'est que tu as des petits trous et donc faut éviter quand même si jamais tu tombes sur un gros trou. Regarde là, là on a combien? On a 30. 35, ah, pas mal hein. Là franchement là je suis pas. Toi là il y a un gros trou, ça fait quoi si je fais ça? Ouais tu sens quand même. Là il y a des bonnes suspensions. C'est bizarre hein. Parce qu'en fait je sens pas trop les cailloux honnêtement. 40, ouais, putain mais c'est ouf. Waouh. Oh oh. Ouais, ça... Oh franchement. Eh, les petites suspensions et tout là, parce que quand même, déjà c'était de monter, donc j'ai pas senti honnêtement la montée. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal de petits cailloux et tout. Et franchement,
En fait, là, j'ai l'impression à 30-40 km/h, tu sens quasiment rien en fait. Oh, c'est quelque chose, hein. Sur la petite montée, 34, quand elle monte, hein. Alors, au niveau de l'autonomie, j'ai perdu une barre, j'ai fait 6 km. Sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4 barres, 5 barres au total. Donc, sur un truc, j'ai dû perdre peut-être 15%. C'est vrai que je préfère avoir ce système de pourcentage là, parce que comme ça, tu sais pas trop. Puis, à mon avis, quand il te reste une barre, je pense que tu dois plus avoir grand chose. Alors, donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on va. Il y a une grosse pente, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taper cette pente. Je vais être à fond, hein, en mode double turbo. Je sais pas combien elle fait la pente là, mais regarde-moi ça, elle est énervée. Hein. On va partir tout en bas et on va pas prendre d'élan. Partir de zéro. Allez, let's go. Putain, ok. Oh. 35, allez, 37, on a 40 quoi. Un peu moins, 38, ouais, ok. Ok, cool. Bon, test de la montée, en gros, sans élan, et c'est une bonne montée là. Entre 35 et 40. Bon, bah, j'espère en tout cas que cette petite phase test t'aura plu. Globalement, j'ai fait un petit peu de test au niveau de l'autonomie, ça a l'air d'aller. Enfin, en gros, tu tiens 40 km, un peu plus avec les deux moteurs. Donc non, c'est franchement, c'est, tu t'amuses, hein. Et puis pour moi, c'est une belle découverte parce que j'ai testé déjà des grosses trottinettes, mais c'est vrai qu'elle est relativement entre guillemets petite comparée à un grand nombre de trottinettes qui sont très très volumineuses. Et elle, je trouve, ça va, tu vois, tu peux quand même, comme une trottinette quasiment lambda, quoi. C'est un peu son objectif, mais avec une bonne petite patate. Donc voilà. Et puis pour la recharger, je me posais la question. En fait, alors je sais pas pourquoi il y a deux embouts, mais globalement, tu peux, de ce que j'ai compris, c'est en gros, tu la branches comme ça et tu la laisses sur juste un embout et ça recharge, quoi. Je sais pas pourquoi il y en a deux, par contre. Mais non, je suis assez content. Voilà, sympa, que ce soit en ville, même sur des petits terrains et tout. Je ferai pas voilà, des terrains de cross et tout, mais bon petit délire. Et voilà, globalement, on a fait un petit peu près le tour. On a cette petite touche un petit peu rouge qui est assez sympa. Je trouve vraiment que les matières qui ont été engagées, eh bien, elles sont très correctes. Concernant son prix, en fait, il est actuellement donc à 1599 €. Donc, en fait, va directement concurrencer, si tu veux, la 010X, si je ne dis pas de bêtises. Après, bien entendu, ça faut voir les caractéristiques, faut voir aussi au niveau du produit, sachant que c'est une nouvelle marque qui vient d'arriver sur le marché. Donc, voir un petit peu aussi les avis. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu sur Internet, bah, franchement, apparemment, cette marque-là, elle a déjà de très, très bons avis. Bon, en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui cette trottinette électrique haut de gamme de la marque Verla, la Eagle One. Ça me fait aussi plaisir quelque part parce que n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires concernant ce produit, mais aussi parce que bah, c'est la première fois ou l'une des premières fois que je te présente une trottinette électrique aussi puissante. Je t'en ai présenté une autre, c'était la Xtreme de mémoire. C'est un peu différent parce que tu t'assois et tout, et puis là c'est homologué, donc avec une plaque d'immatriculation, carte grise, assurance à côté, parce qu'à partir du moment où tu dépasses les 25 km/h, bah forcément tu dois soit homologuer le véhicule, soit sinon la laisser à 25 km/h, et sur un chantier, un terrain privé, là tu peux bien entendu la mettre à la vitesse que tu souhaites, voilà, et rouler à 50, 60, 70 km/h, il n'y a aucun souci. Donc il faut faire très attention avec ça parce que bah, en soi c'est un véhicule auquel bah, aujourd'hui sur une voie publique il faut rester à 25 km/h, donc c'est très frustrant honnêtement avec 2000 watts en puissance, bah forcément d'avoir un véhicule comme ça. Mais qu'est-ce que tu t'éclates, vraiment, pour te donner mon avis, bah franchement un vrai plaisir. Je trouve que sur des terrains, alors faut faire très attention pour pas qu'il y ait des très gros trous, donc faut quand même surveiller la route parce qu'on a des pneus de 10 pouces et que tu peux vite tomber dans un trou.
Mais voilà, franchement, c'est super agréable. Là, il n'y a aucun souci à rouler sur ce genre de terrain, que ce soit aussi sur du plat, que ce soit aussi en ville. Là, tu t'éclates. Une puissance très intéressante, ça te permet de partir. Imaginons, tu es un feu. Eh bien, c'est assez important, comme un motard, tout simplement avec la moto ou un scooter, bah, d'avoir une bonne patate pour pouvoir te dégager de la circulation, pour pas que tu aies les véhicules à côté. Là, c'est le cas. Vraiment, donc franchement, au niveau puissance, au niveau caractéristique, au niveau matériel engagé, c'est une très bonne chose. Il y a quand même quelques petits points, l'écran LCD où je trouve que c'est relativement dommage. J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment, on peut la plier, mais on peut pas la bloquer et la porter. Enfin après, faut aussi, tu peux la porter, mais il faut vraiment, si tu veux, la prendre un peu dans tous les endroits, la trottinette, pour pouvoir juste la porter. Mais en soi, voilà, au niveau de l'autonomie, on sait qu'aujourd'hui, voilà, de toute façon, tu te mets à fond, tu mets là les deux moteurs, tu les enclenches et tout. Tu sais que ça va pas durer très longtemps, mais ça va. Tu peux quand même t'éclater, t'amuser. Par contre, au niveau de la recharge, 8-9 heures, mon gars. 8-9 heures, c'est énorme. Faut la charger toute la nuit, quoi. Donc, dès que t'as plus de batterie, bah, mon coco, tu fais très attention. Sinon, on a le petit jeu de clé et tout. Donc, ça, c'est cool. On a aussi, ça, c'est vrai que c'est un bon point. Dans la boîte, il livre aussi toutes les protections. Quelque chose que je n'ai pas mis aujourd'hui. Et c'est vrai que je me vois pas avoir ce genre de choses. Encore un casque. Je te le recommande fortement, mais mettre tous les trucs, bon, je te le recommande aussi, mais moi, c'est pas trop mon délire d'avoir comme ça et d'être comme ça sur la trottinette. Mais ça se comprend parce que ça va très vite, c'est très nerveux et tu peux très facilement tomber, voilà. Par contre, c'est vrai que quand tu vas vite, je sens quand même, et ça, c'est important, je dirais c'est de manière naturelle, on le sent avec le véhicule, un confort, une confiance que j'ai avec le véhicule, et ici, c'est le cas. Donc voilà, ça aussi c'est une bonne chose. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.